On continue notre traversée de l'enfer. On est dans des laboratoires en part. On revient en fait d'une charcuterie et on va dans un labo. La logique n'est pas tout à fait claire. Je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un peu, enfin. Alors ça c'est très drôle quand même, les impacts de balles qui volent. Ah. C'est quand même chelou cette tête. Je veux pas dire, mais il n'y a rien qui va dans ce portrait. Enfin, il n'y a rien qui va. Si, ça a l'air... C'est tellement banal et en même temps si inquiétant d'avoir un truc aussi... aussi con dans un univers aussi délabré et terrifiant. Vous ne trouvez pas? Enfin bon, après, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà, voilà. Cette porte s'ouvre d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs, d'ailleurs. C'est une chaise extraterrestre. Enfin, c'est une porte extraterrestre. Oh putain. Alors, si jamais vous avez pas de... Merde. Ça, c'est une très très grosse connerie, ça. Mais bien sûr. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il court vachement vite. D'accord, j'ai plus de munitions. Mais j'aimerais bien le finir d'une autre manière qu'avec un simple flingue. Merde. Voilà. C'est ça que je cherche. Avoir un kill d'estime. On se dit, ouais, j'ai fait un méga kill de la Morkito. De la Morkito. De la Morkito. Morkito qui est Morkito. Ok. Non. Ça y est, toujours à la même gueule. Une sale gueule dans le cul. Ah ouais, ça c'est le niveau où tu ouvres des trucs en pagaille. Ça n'arrive pas. Ça leur fait un sacré cul quand même aux mobs. Si vous avez remarqué, ça leur fait un petit moule bête. Ceux qui crachent des flammes. Ah, le savon. Le savon. Le fameux savon. Ok, bon, bah c'est par là. C'est par là. Mais oui. Soulevez le vase. Nya. Comme Link. Je pète tous les vases. Et si j'ai pas envie? Je suis pas très vax, moi. En vrai, c'est dans votre intérêt de le prendre. Ah oui, je me souviens. Parce que vous pouvez faire des combos de fou furieux avec ce machin. Hop là. Et je me suis... La première fois que j'ai vu ce truc, je me suis... trouvé vraiment être sur le cul d'avoir autant d'ingéniosité. Honnêtement. Bam. Vous pouvez prendre les objets. C'est exactement la même scène que dans Batman... Batman versus Superman, non, c'est dans le dernier Justice League, où quand celui qui peut courir aussi vite que le temps, enfin aussi vite que la lumière, ralentit le temps, c'est juste jouissif. Boum, boum, boum. Et le pire, c'est qu'il y a même l'audio qui est distord. Prendre le cadencier. Oh non, j'ai même mieux. Regarde. Hop là. Franchement, c'est trop jouissif comme pouvoir. Et on le voit pas tant que ça. Il en abuse pas vraiment. Ce qui fait qu'à chaque fois quand on l'utilise... Mais alors, c'est la fête du slip, mon gars?
Bon bah je crois qu'on peut y aller. Je vais prendre le double 4. Number 4, s'il te plaît. Vite, avant que le temps passe. Ils veulent me faire des picouses, ils veulent me vacciner contre le Covid. Contre la, le... Je suis un putain d'antivax. Oh. Ah merde, j'ai même pas vu mes points de vie. Décidément, être antivax, c'est pas... Ah, oh, comme c'est expéditif. Comme c'est jouissif. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Et là. Pouf. Ah, j'adore. Je prends mon pied, mais comme pas deux, comme. Bam. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'ai dû. Du coup. Franchement, on se croirait dans Matrix, c'est incroyable. Alors, 5. Ça, j'ai des munitions, yes. Ah, punaise. C'était beau quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors attendez, parce que. Il semble qu'il y a moyen de passer. Non. Je dis peut-être une connerie. Ah, voilà, comme ça. Voilà, c'est par. Putain, saloperie. What? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. J'entends quelqu'un. Putain de bâtard. Je savais que t'étais là, mais je savais pas où. Je savais que t'étais là, mais pas où. Mm-hmm. D'accord. Ok. Ouais, pourquoi pas? Why not? Je vais voir quand même comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder rapidement. Sauvegarder rapidement. F6. Ok. Dans tous les jeux, c'est F5 normalement. Bonjour. C'est l'inspection des impôts. Boum. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà parce que... voilà. Tout est sans dessus-dessous. Et surtout parce que le portrait ici est devenu un petit peu diabolique. Bon, un petit peu. Mais un peu quand même. Et là, du coup, on commence un petit peu à se rendre compte qu'on est sur un scénario digne de Far Cry, où les scientifiques font un peu tout et n'importe quoi avec... avec n'importe quoi. Toi, tu vas pas m'oculer, minoculer, je sais pas trop quoi. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais le gars, il est complètement perché sur qui a fait le design du jeu. Le level design, parce que c'est... c'est grave stylé, en fait. Faut simplement que je fasse bien gaffe à ce que je fais. Voilà, hop là.
Ok là, ok là, ok. Toi non. Juste non. Bon, comme d'hab, c'est toujours la même mécanique, comme ça un peu à comprendre. Hein? Comment ça se fait que j'ai pas vu ce truc? D'accord, et en fait il y avait même une ouverture à ce niveau-là. La vache. Il est impossible de casser ces vitres. Si vous vous posiez la question. Dites, dites, il y a peut-être encore quelque chose à grimper. Merde. Oh non. Oh, t'es sérieux? Comment ça s'appelle le jeu où on est censé monter une montagne avec un marteau? Je me souviens plus du tout du nom. On a fait un petit peu de prévention. J'aime pas leur rire. Ils sont un peu malsains. Un peu dérangés. Bon. Bon, on s'en fout des secrets. On fonce. Allons-y. Ok. J'ai la porte jaune. Ah, qui est là? Oh là là, c'est tellement bien fait. Et ça aussi, c'est pareil, j'étais sur le cul. Je me suis dit, waouh, c'est tellement fou. Parce que l'autre, c'est un peu facile. C'est comme des Lego, tout est carré, tout est parfait. Mais là, c'est pas le cas. Il me semble qu'il y a un truc qui est caché quelque part ici. Oh, c'est peut-être plus loin. C'est peut-être plus loin. Faut fouiller, faut fouiller. Alors lui, il a fait un putain de salto, Marmel. Alors, pareil, là c'est un sacré casse-tête de savoir où faut aller. Faut d'abord deviner vers quelle direction faut se diriger. C'est pas aisé, mais alors pas du tout. Ça c'était magnifique. Bonjour, au revoir. D'accord. Donc la clé rouge elle se trouve dans les bâtiments un peu plus en haut là-bas. Un peu plus en haut. Oui, moi bien parler français. Ne le fais pas. Je crois pas que j'ai le choix en réalité. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est-ce que je suis? J'ai l'impression d'être dans une grosse baleine dégueulasse. Aïe. Et on peut se barrer sans les tuer. Et j'ai une hypothèse. Je crois qu'on est à l'intérieur du mal. Vraiment, littéralement, à l'intérieur. Mais c'est une hypothèse. Ouf! C'est dérangeant comme expérience. Ou alors, on est à l'intérieur d'une de ces créatures. Parce que si ça se trouve, on est rapetissé, miniaturisé. Chose ici? Non.
Sauve-toi. Ah oui, je me souviens. Oh la vache. F6. Donc là, à ce moment-là, vous dites, mais je comprends pas. Seuls les connaisseurs peuvent le savoir. Il y a un sol qui est invisible. Et qui mène jusqu'ici. Ah! Et on va se retrouver face à un nouveau boss. Et celui-ci, je sais pas combien de fois je vais devoir le recommencer. Parce qu'il est très difficile. Mais genre vraiment extrêmement difficile. Vous allez voir. Ah oui, je crois qu'il faut aller vers là-bas, activer la porte. Bon. En réalité, ce qui est difficile, c'est pas le boss en lui-même. C'est le fait de sauter de plateforme en plateforme, d'éviter tous les projectiles et de le toucher en même temps. Ça demande une adresse extrême. Voilà. C'est pour ce genre de truc que j'ai mis la sauvegarde parce que la hitbox, elle est. Bah, elle est là. Elle est là sans être là. Donc, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de récupérer tout ce que vous pouvez avant de commencer le boss rush. Il me semble que les speedrunners le font en 2 secondes, ce boss. Ah, putain. J'ai fini par y arriver. À force de connaître tout le chemin par le cœur. Et merde. Oh, allez, on s'en fout, nous on arrose. Hop, putain de salope. Ah! Tu me rapaces, salope. Essaye toujours, connasse. Elle sera dure, elle sera dure, 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 comme ma bite, comme ma bite, comme ma bite, bite, bite. Hop là, hop. Ah, what, salope? Et moi, ma tactique favorite, c'est de lui tourner autour. Ouais, bon, sauf que des fois ça marche pas. Hop là! Tiens, hop, je prends la clé. Attendez, attendez. J'ai envie de tester un truc. Non! Je me déteste. Je me déteste! Vous ai-je dit que je me déteste? Parce que je crois qu'on peut prendre la clé et se barrer. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'affronter le boss au final. Qu'on peut laisser la vie sauve à cette âme errante. Enfin, pff, ouais, bah du coup, en fait, c'est même mieux de la buter. Alors, putain, là, je fais une nappe. Non, mais... Yes! Je vais y arriver. Et ce sera fantastique quand j'y arriverai un jour. Mais le pire, c'est que je me suis planté, pas parce que je ne sais pas, c'est parce qu'il y a la panique. Parce que là, vous voyez, là, je meurs. Ah, 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 c'est magnifique. Bon, on va un petit peu la déloger, là, la petite fifille. Hop là. Allez, cette fois, c'est easy. Et voilà. Ok. J'ai cru qu'il y avait un mob parce que j'ai gratté sans faire exprès mon casque. Voilà. Oula, oula, oula. Trop près là les gars, trop près.
Beaucoup trop près. Et là, on se rend compte que les gars, ils ont fait un petit peu de tout et n'importe quoi. Ils ont un peu pété la gravité. Avec leur expérience un peu chelou. Boum, 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 boum. Mais du coup, cet élément marche, je crois. Non. Hop là. J'aimerais bien pouvoir avoir cet effet de gravitation sur moi. Ce serait marrant. Ouais, bref. On finit massacre. Et je vous invite à voir la suite des aventures de l'épisode la semaine prochaine. À plus.